La vitesse. Notre vitesse est variable en fonction de plusieurs paramètres. Dans notre appareil, si on vole au niveau du sol et sans vent, notre vitesse propre de notre machine sera identique à notre vitesse sol, notre vitesse réelle au sol. Si on a du vent, si j'ai 20 km/h de vent de face et que ma vitesse propre de ma machine est de 100 km/h, tu auras une vitesse sol de 80 km/h. Vitesse propre égale vitesse sol moins le vent effectif. À bord de notre machine, pour contrôler notre vitesse, on se fie à un anémomètre et l'anémomètre nous fournit une valeur de une vitesse indiquée. Notre vitesse indiquée est identique à notre vitesse propre au niveau du sol. Plus on monte en altitude, plus la densité de l'air diminue, ce qui nous crée une erreur d'indication. Plus on monte, plus notre vitesse indiquée sera inférieure à notre vitesse propre, de l'ordre de 1% par 600 pieds. Si je vole à 100 km/h sur mon anémomètre en vitesse indiquée, à 6000 pieds, j'aurai donc 10% d'erreur. 100 km/h plus 10%, 110. J'aurai une vitesse propre de 110 km/h. En considérant qu'il n'y a pas de vent, on aura une vitesse sol de 110 km/h.